Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la gestion des conflits. Et en fait, sortir du conflit, le timing est super important. Parce qu'on sait qu'il y a, grosso modo, il y a 5 manières de sortir du conflit. Il y a « je cède », c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis en conflit avec quelqu'un, je vais laisser tomber, je vais laisser la personne gagner. À l'inverse, je peux aussi être dans la rivalité et chercher à tout prix à gagner et à l'emporter. Ça, c'est la deuxième solution. Il y a aussi la solution qui pourrait être entre guillemets la fuite, c'est-à-dire que chacun laisse tomber, on laisse tomber le sujet et on passe à autre chose. Et puis, il y a ce qu'on appelle le compromis, c'est-à-dire qu'on cède un peu, mais on gagne un petit peu. Et puis en face, il gagne un petit peu et puis il cède un peu. Et puis le dernier point, c'est la collaboration, c'est-à-dire qu'on va trouver une solution qui satisfait à 100% les intérêts de chacun. Donc on voit bien que dans toutes ces solutions-là, si on est dans de la collaboration, c'est très long parce qu'à un moment donné, il va falloir continuer à discuter, continuer à échanger. Mais l'avantage, c'est que la solution sera optimale puisqu'on aura trouvé une solution qui permette de satisfaire les intérêts de chacun. À l'inverse, si je cède ou si je cherche à gagner ou alors si chacun fuit, là, dans ce cas-là, ce sera des sorties de conflit qui seront beaucoup plus rapides. Le problème, c'est que les intérêts de chacun ne seront pas soit satisfait à 100%, soit il n'y aura que l'intérêt d'une personne qui sera satisfait et pas l'intérêt de l'autre personne. Donc on voit bien qu'en termes de gestion des conflits, il y a des solutions, la collaboration, qui nous permettent de satisfaire les intérêts de chacun, mais c'est très long. À l'inverse, si on veut aller beaucoup plus vite, on sait très bien qu'on ne va pas satisfaire les intérêts de tout le monde. Donc finalement, on en arrive à se dire, la gestion des conflits, tout est question de timing. Est-ce que je suis dans l'urgence? Si je suis dans l'urgence, je sais très bien que je vais sortir du conflit sans satisfaire les intérêts de chacun. À l'inverse, si j'ai du temps, je vais pouvoir être en mode collaboratif et donc pouvoir trouver une solution optimale. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura fait réfléchir sur comment sortir des conflits. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.